Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Jeu des Rôles. Alors, aujourd'hui, une petite présentation, une grande présentation sur Call of Duty Modern Warfare. Et oui, moi aussi, je suis allé le chercher, comme tout le monde. On attendait enfin un bon jeu de Call of Duty. Je dis bon jeu parce que j'ai entendu que des bonnes affaires sur ce jeu-là. J'ai pas entendu de mauvaises affaires. Alors, c'est à mon tour à le tester. C'est à mon tour à l'essayer au complet pour savoir si j'aime ce jeu, oui ou non. Mais moi, je le teste à travers mes Let's Play et aussi à travers le multijoueur. Fait que c'est comme ça ma méthode, OK? À ce qu'il paraît que c'est la franchise la plus vendue sur Xbox One. Alors, pour ceux qui ne sont pas d'accord, faites aller les commentaires en bas puis dites-moi qu'il y a un autre jeu qui s'est vendu mieux que ça sur la Xbox. Parce que d'après moi, il y a sûrement qu'il y a eu d'autres jeux. Au moins que Activision, ils se font aller un petit peu le... On appelle ça la patate. Si vous voulez. Alors, c'est un jeu qui est amélioré pour la Xbox One X. C'est un jeu qui se joue en Ultra HD, c'est-à-dire en 4K. On se le cache pas. C'est une vidéo qui fait du HDR10. C'est du High Dynamic Range numéro 10, version 10. C'est-à-dire c'est pour avoir plus de profondeur dans les couleurs ou dans les ciels avec ce mode, ce HDR-là. Il fait aussi du Dolby Atmos Sound. C'est-à-dire que le son, c'est un son qui sort vers la verticale. Évidemment, si vous avez une barre de son qui fait du Dolby Atmos, mais considérez-vous chanceux parce que c'est pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ces barres de son là. Aussi, tu peux jouer en mode coopératif. Moi, j'étais surpris, j'ai vu le mode coopératif, j'ai fait waouh, il me le faut absolument. Modern Warfare, avec qui je vais jouer, j'ai aucune espèce d'idée, mais l'option est là. C'est très bien. Aussi, tu peux jouer à multijoueur en ligne. Évidemment, on l'a acheté pour ça. Hein. De 2 à 20 joueurs. 2 à 20 joueurs. 20 joueurs. Come on, Activision, là. Un petit peu plus que ça, là. Battlefield 5 fait 32 joueurs. Non. Mais 64 joueurs, je veux dire. C'est quand même très bien, 64 joueurs. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. On va s'y faire. Et on peut jouer en ligne en mode coopératif de 2 à 4 joueurs. Alors, c'est un jeu qui a été fait par Binox, Infinity War, Evox, High Moon, Raven et l'autre, j'arrive pas à voir, je pense que c'est Ink Vink Video. Il y a un autre aussi, mais j'arrive pas à le voir. Et Activision, bien sûr. Alors, voilà. Petite présentation super rapide, rien d'extraordinaire. On a connu beaucoup mieux que ça. C'est pas révolutionnaire, évidemment, mais on achète tout un bon jeu de guerre comme ça pour le multijoueur. Alors, sans plus attendre, on s'y met tout de suite et sûrement que l'histoire va commencer. Fait que on va écouter l'histoire, ça va être ma première vidéo. C'est la vidéo intro de Call of Duty Modern Warfare. Let's go, baby! On va écouter l'histoire, évidemment. C'est le seul moyen
Echo 3-1 à Charlie 2 Leader. Ici Leader. La zone est en vue. Je crois que nos gars sont pile à l'heure, colonel. Compris, 3-1. Équipe Hitman en place et prête pour l'assaut. Vous avez le feu vert. Colonel, on a un problème. Trop tard, Laswell. On y va. Ça, c'est ma décision. Watcher à 3-1, vous me recevez ? Chef de station Laswell, on vous écoute. Le général Barkov a expédié une cargaison de gaz vers son dépôt. Mais ses hommes s'apprêtent à transporter les armes chimiques vers l'Urzikstan ce soir. Vous avez l'autorisation d'attaquer, mais n'ouvrez le feu sur des soldats russes en aucune circonstance. On ne veut pas d'incident international. Rien dit que l'armée russe restera impassible, Kate. C'est compris, Alex. Commencez par couper le gaz, détourner les camions et quitter la zone avant que les autres s'en prennent. Monsieur Watcher, on s'en occupe. Charlie 2-2, Ravin 2-1, équipe Hitman déployée, retour à la base. En route. À toutes les équipes Hitman, avancez. Compris, on bouge. Bon, j'ai le contrôle de la On n'a pas le droit à l'erreur. Les hommes de Barkov vont transporter le gaz ce soir. On va rester dans le silence. On va tomber sur général Barkov. Un général russe n'oserait jamais traîner par ici. La lumière de la forêt, c'est vraiment magique. C'est beau. C'est féerique. Avec le son des oiseaux. Waouh. J'en entends deux. Ça nous cherche. Deux mercenaires, pas d'uniforme. Hey, tous здесь. Выйди, покажись. Ok, abattez-les. On est tranquille, compris. Installez-vous sur la crête. On va analyser le terrain. J'ai absolument rien fait. Ils ont toutes faites eux autres mêmes. Génial. Echo 3-1 à Blue Viking 5. Demande de frappe. Attendez la confirmation de la cible. Compris, 3-1. Viking se tient prêt. On commence la reconnaissance. Faut être sûr que les Russes sont pas dans le coin. Véhicule en approche à la porte principale. Ça bouge dans la cour de triage. C'est comme ça que le gaz entre. Un transport moyen. Un transport pour le gaz. Le véhicule se déplace. Un gars dans la tour, côté gauche en hauteur. C'est pas un militaire. Aucune présence militaire russe. Confirme la frappe, 3-1. Le Viking 5, ici Echo 3-1. Troupe à découvert, porte sud, vous pouvez y aller. Compris, 3-1. Cible verrouillée. Feu à volonté dans 5 secondes. 5 secondes. Echo 3-1, cible touchée. Viking, rentre à la base. Bonne chasse. Merci beaucoup, Viking. On va prendre la relève. On dirait les feux d'artifice ici à Montréal. Attention. Plusieurs ennemis à pied. L'immersion est géniale. Je me sens comme un vrai soldat dans le bois. Une seconde. Laisse-les approcher. On les enfume. Allez. C'est bon, on avance. Clairement, quelqu'un a joué avec le feu. J'ai envie de tirer deux balles. Ah!
Ça brûle! Vengeance! Pour moi qui est-il? Faut abréger leur souffrance. Est en route. Merde, je me suis fait toucher. On peut plus vraiment compter sur la surprise, les gars. Restez sur vos gardes. Oh. Beau Hog. Une double porte de sortie dans le coin. Non, je vais garder avec mon gun original. Regroupez-vous. C'est pas ce qui nous attend. Contact! On attaque! On a un ennemi mitrailleuse en premier! Il est retranché! Faites un tir de suppression et grimpez! Serre-toi du cadre de la porte pour stabiliser ton arme et reste à couvert, Echo! Mitrailleuse pour qu'on puisse avancer! J'ai pas vu encore la personne qui me tire dessus. Pas de suppression. On bouge. Prise tour et avale-le. En avant. On doit sécuriser le gaz avant qu'il l'emporte. Ils l'ont eu. Point de mouvement. Avancez. Dans le mille. Reçu. J'ai un visuel. Point de mouvement. Ça bouge à 20 mètres. Tire de suppression. Sa lumière est braquée ailleurs. Surcharge. Des ennemis au sud-ouest d'ici. Où ils sont? Sa lumière est plus sur la cible. Avance maintenant. Ça bouge à 20 mètres. J'en vois un près de la barrière. Où ils sont? La torche tactique n'est plus visible. Contourne-le. Attention au sud, j'en vois un. On est exposé. Il sera découvert. Voilà, c'est la fin. Oh my god, non, 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 non. Cible acquise. Attention, je vois. Oh my god. Attention, au-dessus. Reçu. À 40 mètres.
J'ai besoin de couverture. J'avais oublié le petit modèle, le modèle de Battlefield vraiment est très très intense. Ah, vous voyez, c'est hyper intense. Il y en a un du côté de ces caisses. Il a une torche tactique équipée! Surveille sa visée! Steptas, près de la caisse! Vive la kill! Avancez! Je vois un groupe d'ennemis en mouvement! Vive la kill! Grenade! Attention au sud! J'en vois un! Reçu! J'ai la visée! J'ai besoin de couverture! Je sais pas quel côté aller. Attention. Non, pas les bâtiments. Cible. Ennemis en vue au sud-ouest. Ça charge. Viens, c'est une tactique. Avance quand elle est pas visible. J'aurais voulu que les bonhommes se placent d'une autre façon. Mais ils surgissent au même endroit. Ça, c'est un peu poche. Allez, on y va. Ah, no. Qui te lance des grenades comme ça, non? Ils sont au sud. Oh my god. Reçu, j'ai un visuel. J'ai besoin de couverture. Je comprends plus rien là. Bien joué, je crois. On bouge. C'est vrai, c'est vrai. Oui, où ils sont, Fuyard? Ils s'enfuient vers l'entrepôt. Infanterie ennemie à découvert. Cible acquise. Avancez. Mon équipe est vraiment meilleure que moi. C'est bon. Le gaz doit être là-dedans. Sauf si c'est trop tard. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi enthousiaste. C'est bon. À jouer à un Call of Duty. C'est bon. Parce que j'ai vraiment laissé tomber les Call of Duty. Il y a peut-être des armes chimiques. Mettez vos masques.
Je me suis essayé avec le Call of Duty Black Ops 4, juste avant celui-ci. J'ai aimé. Mais si j'ai pas été comme. Si j'ai pas dit waouh, excellent, tu sais, je veux jouer encore. Non, malheureusement, j'ai joué une couple de fois, je suis satisfait, mais pas plus que ça. C'est quoi ça? Ils ont coupé le jus. Allumez vos torches. Avec moi. On a une torche en plus. On voit rien du tout là-dedans. Waouh. Oh, waouh, c'est beau. Regardez-moi les détails. Regardez-moi ça. Waouh. Le casque. Génial. Vous avez entendu? Je sais pas qui a coupé le courant, mais il est encore là. C'était peut-être la frappe aérienne. Non, il y a quelqu'un. Merde, vous avez vu? Trouvez-le! Il est mort! Oh, il m'a fait peur, lui. Oh! Ça bouge sur la passerelle. J'envoie un qui se déplace. Oh my god. En voilà un. C'est bon! C'est nettoyé! J'ai qu'à remettre le courant, allumer la lumière et trouver le gaz. Compris, 3-1. Je cherche. Ok, je cherche les fusibles. Trouvez les fusibles, trouvez le gaz et on se tire d'ici. Ok. Attention les yeux. On a le courant. Hey! On a un problème. C'est des gars de l'armée russe. Des Spetsnaz. 3-1 à Watcher. Les mercenaires de Barkov sont des Spetsnaz. On a tué des militaires russes. Il faut qu'on foute le camp. Négatif. La mission est prioritaire. Vous n'avez pas le choix. Comme d'habitude. 3-1, terminé. Vérifie que c'est bien ce qu'on cherche et on préparera les camions pour l'évacuation. Compris. Jackpot. Confirmé, c'est bien le gaz. Bien reçu, 3-1. Chargez tout ça et rentrez à la base. Compris, on y va. Alors, moi j'ai un parcours. À toutes les unités, on est en route vers le rendez-vous. Restez vigilants. Bon travail, Alex. Rejoignez le point d'accroche pour extraction. Watcher à 3-1, vous me recevez? Alex, vous me recevez? Terminé. Je suis là, 3-1. Je suis là. Mais c'est qui ça? Oh. Sidi, avanzala. Ma non lo sì. Marines, a metà. La Zimitarak. Farran! Farran! Dalla! Dalla! Dalla!
3-1, Watcher. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Attaque terroriste. Plusieurs marines tués. Gaz volé. Évacuation immédiate. Reçu. On signale d'importantes troupes russes en approche. Tenez bon. On est en route pour vous exfiltrer. Watcher, terminé. Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe maintenant. Ça va pas être possible. Ça, c'est pas de votre sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Nous avons un problème. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication, la 6e flotte investit la mer Noire, et maintenant on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général, les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. On est dans la merde. John. Laswell. Vous êtes où? Occupé. J'ai un problème. Les Russes? Les nouvelles vont vite. Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand? C'est déjà fait. Voilà, les avions, on n'a pas de vie. Sergent Garrick, répondez. Ici Garrick. Niveau de menace devient critique. Sans doute plusieurs assaillants. Un kamikaze peut être pire. On a des snipers en position? Négatif, sergent. Il faut éviter la panique à tout prix. Les terroristes sont au courant, chef. Garrick, pas de zone de guerre en plein Londres. Compris? Oui, bien compris. Ok. Je crois qu'on est tout seul. Ça va le faire. Qu'on en finisse, d'accord? Ok. Sergent. Regardez. C'est bien la description. Oui, c'est eux. Sabra Raven, véhicule suspect vers le nord. On bouge. Reçu. Vous ne devez engager qu'en cas d'attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Oh non, on est en ville. Foncez, go. On va tirer, là. Ils sont par là. On y va. Bouge pas. Police, plus agressement. Les mains en l'air, maintenant. À plein ventre, tout de suite. Vous faites... N'oblige pas à le répéter. Sabre 2, qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a eu une détonation à Piccadilly Circus. Des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite! Putain de merde, Dice, regarde! En avant! Ils sont en train de se faire jouer! C'est trop dangereux! Raven Sabre 2,
Otage en sécurité. Un suspect abattu. Magasin d'électronique. Bâtiment nord. Dans la tête, je pense. Wow, vraiment excellent. Ça donne des frissons. Je vous dis que ça donne pas mal de frissons. Raven, ici Sabre 2. Putain, mais où est l'armée? Raven, Sabre 2. Agent à terre devant l'immeuble du Tanto. Agent à terre. Elle arrive aussi vite que possible. Nom de Dieu. Elles sont 15! Je vous couvre. Vous êtes armé? Oui, chef. Capitaine Price. Sergent Garrick. Suivez-moi. Sécurisez les angles. Au secours! Des otages, en haut. On a besoin d'aide, là-haut! Aidez-nous! Enlevez-moi ça, pitié, enlevez-moi ça! J'ai besoin de vous, sergent. Aidez-moi! Je suis pas avec eux! À toutes les stations, je prends un homme avec une bombe. Pitié, je balance! Ça s'ouvre pas! Vous pouvez l'aider! J'essaie! Laissez-moi voir mes filles! C'est trop tard. J'y arrive pas! Plus de temps! Aidez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Non! Non! Toutes les stations. C'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. On va vous sortir d'ici. Rien de cassé? Ça va. Allez. Oh my god. Et l'apocalypse. L'apocalypse à l'ombre. Alors je vous dis les amis, ça vous donne avez sauvé des frissons. Sergent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre chance avec ces règles d'engagement, capitaine. Dites-nous où, dites-nous quand, mais pas comment. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Suivez-moi. Oh, ça va être sur une mission super importante. Al-Qatala a revendiqué l'attaque. L'ordre est venu du loup en Urzikstan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karim? On s'est croisés. Donnez mon nom, ou ils le tueront. Quel est le message du capitaine Price? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin.
et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Al-Qatala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Al-Qatala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Al-Qatala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi ? Qu'ils attaquent l'Europe ? Ou l'Amérique ? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, il faut y aller. C'est qui, lui ? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, Adir. CIA ? Il est avec le capitaine Price. Tu tues les Russes, alors ? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex ? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Bienvenue en Urzikstan, Alex. Suis-moi. Et voilà, les amis, ça va finir pour cette vidéo intro de Call of Duty Modern Warfare. Moi, c'est je vous dis à la prochaine. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Comment ? Des explosifs. Ça devrait les surprendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Il faut qu'on soit prêt à tout. Si on va trop loin, on n'en reviendra pas. Alors, c'est bien dit. Prêt pour l'attaque. Hein ? Sois prudente. Allez, Alex, prends ses charges. C'est la petite vidéo intro sur Call of Duty Modern Warfare. On va se voir à la prochaine. C'est sûr qu'on va faire la suite, c'est sûr et certain. L'histoire, comme d'habitude, sur Call of Duty n'est pas toujours longue. Alors, c'est un bon jeu à en faire en let's play, en expliquant un peu les avantages, les désavantages de ce jeu-là en même temps. Alors, merci de regarder. Et pour ceux qui sont nouveaux, mais abonnez-vous. Et si vous aimez le contenu, bien sûr. Si vous n'aimez pas le contenu, mais faites au moins un petit like. Hein? Commentez si vous voulez. Et merci. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye les gamers.